Franck Nivard, vous étiez en piste avec Lionel avant le début des opérations de la première course samedi. Qu'avez-vous fait avec lui? Bon, on a fait 2000 mètres, il avait déjà fait un hit avant, il avait fait 2000 mètres gentiment, il avait fait un petit bout pour finir, le chemin était bien. Et après on a refait pareil, on a refait 2000 mètres et on a tourné pas mal, on était en 20 tout le temps, et après on a fait mon dernier kilomètre. Bon, c'est très bien, le chalet est très bien, très souple, bien dans sa tête. Ça faisait un petit moment que vous lui avez pas été associé? Bah, pas depuis cet hiver, oui, j'avais dit pour le ténor de Beaune, voilà. Depuis le ténor de Beaune, j'avais pas recouru. Mais non, le chalet, il a l'air vraiment bien. Quels peuvent être ses objectifs tout prochainement? Ah bah là, il court le prix de l'Atlantique samedi prochain. Normalement, c'est ça. Vu ce que vous avez vu en piste, il a l'air prêt? Ah ouais, le chalet bien, il est bien prêt. Il soufflait pratiquement pas en rentrant, donc il est déjà en condition avancée.